Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la dernière quête de la semaine. Liberté d'expression, obtenez 2 étoiles dans les zones de drift au volant d'un véhicule américain. On va commencer par prendre un véhicule américain, vous allez dans le menu Mes voitures et vous faites trier et vous faites pays. Là vous êtes sur États-Unis et vous prenez une voiture qui drift facilement. On va voir s'il y a des formules à drift dans le tas. Vous prenez n'importe quelle Formula Drift ici dans l'onglet États-Unis, celle que vous voulez, même s'il est marqué Nissan, c'est une Formula Drift, elle est considérée comme américaine. Moi, je vais prendre par exemple la Nissan ici. Sinon, vous prenez une autre voiture qui peut drifter dans votre collection de voitures. Moi, je vais prendre la numéro 777 Nissan 240 SX de 1997 avec son réglage de base. Si vous ne l'avez pas, elle coûte 300 000 crédits au salon de l'auto. La zone de drift la plus facile et la plus courte, c'est celle-ci. Giro Encorvado, qui se trouve tout près du Festival Horizon Mexique. Si elle n'est pas sur votre carte, c'est que vous devez encore progresser dans le solo pour débloquer la zone. Il faut faire 15 000 points pour faire 2 étoiles, mais je ne pense pas qu'il faut faire les 2 étoiles d'un coup. Vous pouvez faire 2 passages, 2 fois 1 étoile ou 1 fois 2 étoiles. Donc le Festival Horizon Mexico est ici. Et la zone de drift est là, vraiment tout près. Et vous vous positionnez ici, dans la ligne droite, pour là-bas aller faire vos 2 étoiles. C'est parti. Il faut faire 15 000 points. Hein. Et voilà, on a 15 000 points. On sort simplement de la zone, ça fait les 2 étoiles. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez Et atteint c'est votre terminé, on a fait destination. 20 000 points. Et 20 000 points, ça correspond à 2 étoiles. Je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.